Coucou tout le monde, aujourd'hui c'était un grand jour, je vais refaire mes ongles, il était temps, c'était vraiment une catastrophe. Il y avait vraiment que deux survivants qui restaient sur mes ongles, c'était horrible. Il a commencé à prendre son petit coupe-ongles et à m'enlever la capsule, elle voulait vraiment pas s'enlever. Du coup il a fait une autre technique, il a pris un faux ongle et il a enlevé, ça faisait trop mal. Regardez mon ongle comment il était super abîmé. Ensuite il a fait la même chose sur mon deuxième survivant. Je sais pas si c'est la bonne technique pour retirer, mais ça retire. La deuxième main est finie. Maintenant on passe au choix de la couleur. Bien évidemment, je sais pas quelle couleur choisir. Je voulais faire des ongles XXXL de pétasse et Zizou ne veut pas, du coup je suis très énervée. Du coup, bah voilà, il est en train de me limer mes petits ongles. Regardez comment c'était vraiment tout petit. Je fais la gueule parce que je voulais des ongles XXL. Non mais sérieux, regardez, est-ce que c'est un ongle ça? C'est trop moche. Bon, du coup voilà ce que ça donne. En vrai, ça fait propre, mais bon, ça fait pas très très long. On n'oublie pas de pousser mes cuticules parce que oui, j'en avais vraiment besoin. Ensuite, avec sa grosse lime carrée de quatre côtés, il va me limer tous les ongles. Et ça, franchement, c'est magique. J'ai l'impression qu'après mes doigts, ils sont tout propres. On passe par le désinfectant. Et regardez, c'est vraiment tout nickel, tout propre, tout clean. Limite, j'ai envie de repartir comme ça sans rien. Bon, on a bientôt fini. Il me met une huile autour des doigts. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, il me met une base coat. Donc ça, j'ai l'impression que ça va durcir mon ongle. Et ensuite, je mets mes doigts dans la machine. On passe ensuite à la couleur. Donc voilà la couleur que j'ai choisie. Il m'a mis un vernis transparent par-dessus. Et voilà le résultat. Dites-moi si vous aimez bien. Bon, je suis pas trop habituée. Mais en vrai, ça passe.